respectant les mesures barrières, s'il vous plaît. Nous regardons tout à coup. Mesdames et Messieurs,
au nom de toutes les familles de pleurer. Je voudrais vous dire merci. Yako d'abord à tous et à toutes. Et merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir attendu pendant 3 heures de temps pour accueillir notre frère, le King de Kofi Kro. Je voudrais saluer particulièrement nos policiers, nos fils et filles de Dumokro, qui ont tenu à être présents aujourd'hui pour accueillir leur frère. Merci à vous. Cette cérémonie sera très brève. On va observer 1 minute de silence. Ensuite, on va s'incliner rapidement. Et puis, on a une sœur qui va faire une brève prière et un chant. Et Joseph se chargera de conduire à depuis à 13 000. Il n'y aura pas de cérémonie là-bas, c'est juste prendre la dépouille et l'amener à 13 000. Donc la cérémonie se termine ici. Donc, je voudrais qu'on observe 1 minute de silence maintenant. Merci. Sylvie, s'il te plaît, tu peux venir pour la prière. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci pour le temps que tu permets. Seigneur, il t'a plu de nous donner ton Fils, ton serviteur, Kofi Ennès. Et le 8 mars, tu l'as repris. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons te dire merci. Malgré cette pandémie, tu as permis à ce que ton serviteur puisse arriver en terre ivoirienne. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Seigneur, nous voulons te confier la suite du programme des ancêtres. Seigneur, toi, tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu de l'amour. Nous te demandons une chose, que main dans la main, tous ceux qui sont à l'organisation des funérailles de ton serviteur, que tout se passe selon ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, que ta main puissante soit sur la veuve, les enfants, les petits-enfants et toute la famille, afin que, Seigneur, l'ennemi ne puisse même pas avoir accès à la vie et que ta gloire resplendit, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. J'ai l'assurance Mon âme, ma marche.
Peut-être.